la Grainothèque. Semer, récolter, partager. Découvrez la Grainothèque en libre accès au rez-de-chaussée de la bibliothèque Ludothèque. Une Grainothèque est un système de partage de semences de fleurs, de fruits et de légumes basé sur le troc, où chacun peut déposer et prendre des graines librement et gratuitement. Pas n'importe quelle graine. Il faut privilégier les variétés anciennes et rustiques qui sont adaptées au territoire local, les graines produites sans engrais chimiques, mais aussi les semences reproductibles, donc non hybrides, dites aussi F1. La Grainothèque favorise ainsi la biodiversité. Tous ceux qui le souhaitent, inscrits ou non à la bibliothèque, jardinier confirmé ou débutant, la Grainothèque permet ainsi de créer du lien social et de partager les savoir-faire entre jardiniers de tous âges. Notre meuble à graines a été réalisé par les élèves de deuxième année du CEP et menuiserie du lycée Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, de Moëlle-sur-Loire. Il a été conçu de manière à proposer de nombreux tiroirs où vous pourrez choisir des graines et déposer les vôtres. Il y a aussi des étagères sur lesquelles vous pourrez trouver des livres et des jeux sur le thème des semences et du jardinage. Et cerise sur le gâteau, il a même été prévu un étage pour les plants, comme les plants de tomates, de fraisiers, de courgettes. Pour participer, c'est très simple. Premièrement, il faut semer des espèces reproductibles. Deuxièmement, récolter les graines. Ensuite, mettre en pochette en inscrivant la variété et la date de récolte. Et enfin, apporter ces graines à la bibliothèque Ludothèque et en choisir d'autres à la place. Le retrait et le dépôt de graines ne sont pas nécessairement simultanés. Le système de la Grainothèque est basé sur le troc. Pour qu'elle fonctionne, il ne faut pas seulement prendre des graines, mais aussi en déposer. Profitez-en pour consulter et emprunter des ouvrages et magazines sur le jardinage et les plantes. Et évidemment, n'hésitez pas à demander conseil aux bibliothécaires.